C'est par cette distribution des items aux élèves finalistes que le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kyabulakatui, a lancé les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2023, édition qui s'ouvre par la dissertation. Pour les cycles longs, au total 77 628 candidats, dont 34 930 filles et 42 698 garçons, issus des 28 options différentes et répartis dans 150 centres dans la province éducationnelle du Haut-Katanga 1 et le cycle court, aligne pour cette édition 233 candidats pour 6 options. Le directeur provincial de l'EPST et l'inspecteur principal provincial de l'EPST au Katanga 1, Nicolas Kayembe-Bizi, et la secrétaire générale à l'enseignement, venue de Kinshasa pour superviser ces épreuves, Christine Nepanepa, ont tous salué l'appui du gouverneur Jacques Kyabulakatwe à l'enseignement à travers les bourses d'études au pays comme à l'étranger accordées aux lauréats depuis 2019, année de son accession à la tête de la province. Pour sa part, le gouverneur Jacques Kyabulakatwe a encouragé les finalistes à affronter en toute sérénité cette première partie des épreuves et qui marque la fin de leurs études secondaires. Je voudrais vous rassurer que rien n'est compliqué, rien n'est difficile. Vous allez réussir et vous allez être parmi les meilleurs de la République. Au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je lance officiellement les épreuves d'examen d'État hors session au niveau de la province du Haut-Katanga. Il faut noter qu'après la dissertation pour le cycle long et la rédaction pour le cycle court, les élèves finalistes vont affronter au deuxième jour l'oral de français, puis la pratique professionnelle et enfin la traditionnelle épreuve. Cette 56e édition de l'examen d'État est placée sous les signes de la lutte contre les antivaleurs en RDC.